Après, Du hast de Rammstein, Don't Star de Sabinstein. Ah, pardon, c'est mieux comme ça. J'avais oublié de mettre la ligne. C'était l'œil était fermé dans OBS. Voilà. Ah, c'était à ce point. Ah, ça m'étonne ça. Attends, plutôt comme ça. Ah, attends, attends, je voulais vérifier un truc. Est-ce qu'il y a là. Non, c'est bon, pardon, pardon pour le. Comme ça, il n'y a pas le curseur. Ah, je me suis défoncé l'oreille. Alors. La Haze, c'est la Madame du Lièvre. La Haze. Tout à fait. On est fans de Kaamelott ici, c'est bien. Il y a au moins des gens qui ont un peu de goût. Bah allez, là, j'ai dit play. Alors, notre petite viking, là. Allez, on affronte l'Ivaïr. Mais n'empêche, franchement, je l'aime bien. La viking... elle est franchement cool. Hein. C'est pas la levrette. Bah non, la levrette, c'est la femelle du lévrier. Ah, tout à tic, c'est le tic. Voyons, voyons, voyons. C'est, c'est la femelle du levrier. Levrier, lévrier, lévrier. Eh oui. Eh oui, 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 oui. Alors, attends. La petite carotte là-dedans. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a... D'accord. J'allais faire une blague, mais elle a tout cassé l'ambiance. Je vous ai à l'œil, hein. Attention, c'est un stream respectable, ici. Non, mais... Vous êtes cru où, là? Non, mais... Sont gentils. Après, j'ai avoir des problèmes et tout. Non, mais c'est vrai ce que je raconte. Garde tes blagues là, Essieu. Non, mais. Après, il va commencer à nous parler de. Putain, c'est quoi la chanson déjà de. T'as une chanson de Ram. Ah, bah tiens, hop, ça va faire du combustible. T'as une chanson de Rammstein. C'est Love is for Aleda. Ou ça parle de... De sexe. Ou pas. J'ai juste parlé de la Haze et du Lièvre. C'est vrai. C'est vrai. J'ai une... C'est bon, j'ai ça. Bon, ça on peut le laisser là. De toute manière, ça me fera du fuel. Si on peut dire ça comme ça. Alors attends, qu'est-ce que j'avais à faire là? Les araignées, c'est bon, on s'en est bien occupé des araignées là. On va peut-être finir d'explorer cette partie-là. Ouais, on va faire ça. Eh viens. Allez. Attends, petit manger là parce qu'elle a faim. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Putain, ça y est, du coup, ça vous a calmé, là. Ah, j'ai pris ce chemin-là? Ah, non, pas sûr. Allez, on va voir où ça nous mène. Où est-ce qu'on est? Mais genre, ça sert absolument à que dalle. Bon alors, bon, vas-y, retourne dedans, mais j'ai pas intérêt. Je suis tristesse. Non mais... Ah d'accord, oui, ça, mais c'est vraiment directement de l'eau. D'accord, comme ça. Ah oui, d'accord, non, c'est vraiment... Bon, au moins, ce sera bien délimité, parce que... Chaque fois que je me dis, ça se trouve, il y a un truc super important.
Ouais, coin coin là. Ça suffit, hein. Cela suffit. Ouais, patate machin là. Putain, ça y est, ils sont calmés là. Mais je suis bête. Il suffit. Putain, la modo qui arrive 3 ans après, quoi. Putain, heureusement que je te paye pas, la modo, hein. Parce que sinon, je me ferais bien arnaquer, hein. Non, je fais rien, ton œuf. Je vais prendre ça, là. T'inquiète, ton œuf... Regardez. Salut. Au revoir. C'est juste un œuf, hein. Calmez-vous, hein. Allez, allez, tu gères. T'inquiète, t'inquiète pas. T'en feras d'autres, des œufs, là. Relativise, c'est bon. Il va vite, quand même. Hein. Oh non, tu laisses Winston, hein. Lui, il a rien fait dans l'histoire, en plus, pour le coup, c'est vrai. Oui. Putain, mais les cris des lapins, quoi. Ouais, j'arrive. Vas-y, viens te réchauffer. Voilà. Alors, hop. Hop, on va récupérer ça. Il y a bien un décalage, mais pas là où tu crois. Après, c'est vrai que moi, le chat, je l'ai peut-être... Enfin, non, c'est sûr. Je le vois avant qu'il apparaisse chez vous. Viens, non, viens là. Fous-le là-dedans. Voilà. Ok. Voilà. On met ça. Attends, on met ça aussi. On va les faire sécher. Ah, il n'y a plus de... Du coup, elle va avoir froid, elle va râler. Vas-y, mets du... Ok, qu'est-ce qu'on a dans le... Ah oui, j'ai mis de la viande. Il nous faut... Hop! Hop! Bah... Ah bah mince! Oui, je pensais que... Voilà. Touk! Bah, j'ai cru voir qu'il y avait un petit lapin là. Où est-ce que j'ai vu ça? Non, c'est là-bas. Hop, ça on récupère. Hop. Voilà. Ah d'accord, on a quasiment plus de... Faut que je refasse des pièges à lapin. Alors, attends, qu'est-ce qu'on va... Ça, on va le foutre là. Voilà. Voilà. Là, tout à l'heure, c'était marrant parce que j'ai... J'étais sur le... J'étais bon, j'étais allé voir le stream d'un artisan.
qui travaille le cuir, et donc voilà, je dis bonjour, ce qu'il fait, ça m'intéresse, donc je suis sa chaîne. Ah non, les mains. Et c'est rigolo parce que voilà, donc il dit, ah, il a le bâton la main. Il dit, bon bah voilà, merci Sabine, Balou, il galère un peu à dire mon nom. Et il dit, en gros, voilà, ah, il y en a, ils ont vraiment des pseudos, enfin, marrants, rigolos. Je suis, mais c'est pas un pseudo, c'est mon nom. Il fait, oui, Sabine, c'est ton nom, mais. Enfin, l'autre, pas de loup, c'est pas ton nom. Mais, bah si, c'est mon prénom. Du coup, je trouve ça marrant l'habitude qu'on a du pseudo, en fait. Alors qu'il y a des personnes qui ont leur vraie identité sur le stream. Enfin, voilà, il y en a. Donc, je trouve ça marrant. Ça m'a fait marrer comme situation. Je me dis, tiens, c'est marrant de dire que mon nom, il ressemble à un pseudo. C'est my name style. Ouais, c'est ça. Complètement. Tiens, brûle le feu. Ah. Je trouve ça rigolo. Mais en tout cas, je sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre des. Enfin, de regarder des streams d'artisans. C'est super reposant. C'est super agréable de les regarder travailler, enfin d'avoir ça en fond. Voilà, quand on bosse ou autre. Attends, je vais passer. J'ai envie d'aller parler un petit peu. Alors j'ai un truc à manger. Voilà. Après, évidemment, ces streams-là, il faut y aller quand je suis pas en live. T'as la tortionnaire. Bonjour, je sais que passer. J'ai déjà mangé ton œuf. Il était bon d'ailleurs. Je me suis fait un œuf à la coque avec. Alors, prends ça. Parce que tu t'appelles vraiment Sabine Padlou. Mais oui. Mais oui! Espèce de clown là. Mais oui, c'est mon nom. Parce que voilà, en même temps, faut le comprendre. Il était impressionné. Mon nom, il est tellement swag, tu vois. Alors. Ah bah tiens, là par exemple, je vais vous montrer. Hop, avec la pelle. Et eh bien, tu peux creuser. Voilà. Lorsqu'il y a comme ça des tons. Le problème. Là, tu vois. Mon mental, ça va pas du tout. Donc, faut que je cueille des fleurs. Parce que ça joue sur mon mental de faire ça. Et du coup, pour calmer un petit peu enfin, pour apaiser ce mal-être d'avoir fouillé comme ça des tombes, eh bien, hop, voilà, on cueille des fleurs. Ce petit truc et astuce, hein. Donc là, elle va un petit peu mieux. Hop. C'est parce que tu avances souvent à pas de loup. Mais c'est ça! Oh, si tu savais comment je me suis bouffé cette blague quand j'étais gosse. Oh, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. C'est. Oh, enfin, voilà. Ça a toujours été ça. Soit c'était par rapport à mon nom. Donc là, c'est bon, on va revenir parce que ça va avoir trop froid. Soit c'était par rapport à mon nom, genre, ah, t'avances à pas de loup. blague qu'on fait toujours, hein. C'est juste que quand t'es petit, t'arrives pas à comprendre que une fois ça va, deux fois bon, trois fois ouais, quatre fois ça commence à plus être drôle au bout de 5 minutes. Enfin, quatre fois la blague en 5 minutes, je veux dire. Et l'autre chose, bah, c'est parce que j'avais des lunettes. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, quand t'es à l'école, si t'as pas de lunettes, tu te fais taper limite.
Mais quand j'étais gosse, c'était le fait d'avoir des lunettes, je me suis tapé. Putain, la victime. Ouais, je sais. Désolé, une blague de prof, ça. De quoi? De... À pas de loup? Pas forcément. Il y avait... tous les types de profils. Non, non, vraiment tous les... Pas que les profs. Il y avait du tout. Vas-y, mets du... Hop, voilà. On s'en fout de ça, j'en ai pas besoin. Hop. Non, j'aime pas mettre ça dans le feu. Ah bah tiens, on va se faire une petite couronne de fleurs de bon aloi. Hop. Voilà, vas-y, mets ta couronne de fleurs. Et on va mettre ça dans le feu. Ça va un petit peu... Voilà, c'est pas grand-chose, mais... c'est déjà ça. Ou d'enfant de prof. Ah ça, je sais pas, hein. Je m'en rappelle plus. Hein. Bah non, c'était vraiment trop nombreux hein, à faire la blague. Là, c'était vraiment tout, tous mes camarades de classe, limite, quoi. Mais bon. Je crois que c'est à cette époque-là que j'ai appris la répartie. Hop. Tiens, c'est toi là qui stocke tous les la bouffe, tiens. Yeah. On va peut-être aller refaire un petit peu de l'araignée là. Moi j'aime pas quand mon truc il est vide. Hop. 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 Voilà. Un petit manger. Voilà. Il y a des niveaux d'éducation dans cette blague, en effet. Ah ouais? Ouais, peut-être. Je sais pas. Franchement, je m'en rappelle plus. C'est pas possible, ouais. Pardon. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça serait peut-être pas mal un petit peu de... De mettre du parquet ou un truc comme ça. Parce que là, c'est un peu triste. On va peut-être faire un truc... On va aménager un peu. Voilà. Et donc ça, ça te permet... Hop! Mais je veux ça. Ça te permet en fait de... bah de... bah, bon là tu vois pas très bien parce qu'il y a de la neige. Mais ça permet de un petit peu de faire une sorte de table rase hein, de ce qu'il y a en dessous. Donc de virer que ce soit l'herbe, là donc c'est de la paille et tout. Et après tu peux mettre du parquet. T'as aussi... comment on appelle ça? Il y a du parquet flottant. Il y a pas mal de choses que tu peux mettre dans le sol. Donc tu peux un petit peu aménager le territoire, j'ai envie de dire. Donc là, en même temps, avec toute la neige, on fera ça plus au printemps. On va mettre ça là. Ça ici. C'est le Sims, ce jeu. Le Sims, pas tranquille. Hein. Parce que quand tu joues au Sims, tu regardes les petites annonces, t'as un emploi direct, t'as ton salaire direct, ta seule préoccupation c'est d'aller pisser quoi. Alors que là c'est pas les mêmes préoccupations.
Mais oui, fondamentalement. Parce que j'aimerais bien retourner un petit peu. J'aimerais bien aller à l'aventure là. Par là. Mais franchement, c'est plus simple au printemps. Parce que là, c'est. L'hiver, c'est un peu galère. Hop, on s'en va en garder une sur soi. Tiens, on va remettre un truc à la peigne. Puis à mon avis, il faudrait. Oh non, peut-être les araignées, on a encore un peu le temps. Non mais. Mais t'es sérieux? Je fais que passer là! Putain, il est tendu lui! Oh, puis ça, ils vont tous me casser les couilles. Tiens, voilà, voilà. Et énerve-toi contre les pingouins. Putain, mais quand je vous pique vos œufs, je comprends, mais faites pas genre que vous avez de la mémoire. C'est ça. À attaquer les pingouins. C'est scandaleux. Va manger tes morts, l'autruche. C'est ça. Non mais franchement, pour une fois que je fais rien en plus. D'habitude, oui, je fous la merde. Je comprends. Mais là, je faisais rien. C'est pas juste, quoi. On va se refaire une petite hanche. Putain, là, quelle indignité. Est-ce qu'on va faire du parquet et tout? D'accord, ça revient là. Ah! Hop! Donc quand tu vois des murs comme ça, tu peux les péter. Bon, ça. Putain, ça donne qu'une pierre. Putain, c'est beaucoup d'emmerde pour rien. Salut. Je vois pas l'intérêt. Une caillotte. Une caillotte. Oh là là, à mon avis, elle va bientôt râler parce qu'elle a froid. Mais à la rigueur, on peut rester un peu dans le coin. Parce que, ouais, j'ai un peu envie d'explorer quand même. Ah mais c'est con, j'avais une... Bon bref, tant pis, c'est pas grave. Ah, voilà, ça râle, ça y est, ça râle. Ça a froid et tout, ça supporte pas le froid. Bon. On ramasse des trucs et puis voilà. Ok. On avance encore un petit peu. Ça va, la vie, elle gère. Ah! Super! Tout ce que j'aime. C'est génial. Il y a un cyclope qui arrive. J'hésite même à mettre... plusieurs camps de feu comme ça. Parce que je vais devoir un petit peu courir comme une bouffonne. L'idée c'est pas d'être dans la nuit ni de crever de froid. Putain, mais vas-y, comment je vais me protéger de ça là? Hop. Hop. Oh, le jeu il m'aime pas. Hein. Voilà. Ah, c'est marrant. Eh, je peux me barrer à la rigueur.
Ouais, on verra ça après. Un de ces quatre, on va le faire, ça. Allez, si. Parce que normalement, on peut l'affronter, lui, hein. Putain. Alors, le problème, l'affronter. Voilà, c'est que putain, il fait mal sa race, quoi. Et encore là, il fait pas si mal que ça, remarque, hein. Ah! Ah, d'accord, il me pète la vitalité mentale. Ah, la raclure de bidet. Une fleur, vite. Pique la flower. Mais pique la flower, putain. D'accord. Parce que, en fait, je sais pas pourquoi. Je m'en rappelais pas, j'avais déjà affronté ce truc-là. Et oh putain, c'est chaud quand même. Oh la vache! Mais le bouffe, mais du coup. Mais qu'elle est bête! Oh là là. Bon, moche. Autant l'attaquer à mort, hein. Ouais. Il est très très dur ce. Le lobby de la viande essaye de nous faire croire que ça aide à tanker. Non, et franchement, ce. En fait, je me rappelais pas que ce. Que ce monstre te ruinait comme ça le mental. Ça me. Je trouve ça bizarre. Je trouve ça. Ouais, je trouve ça un peu bizarre. Que veux-tu, hein? C'est la vie, hein? La pauvre Lucette. Ah, ça... parce que j'ai encore envie de jouer à ça. Parce que j'hésitais à faire un autre truc, mais ouais, non, on va continuer. Enfin, on va faire un. Tant pis, c'est pas grave. Pauvrette. Ah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. Ah, ou alors attendez, je peux. À la gueule, je peux vous montrer. Et avec les bateaux. C'est rigolo, ça. Par contre, je veux pas ce personnage-là. On peut faire avec le bateau. Mais lui, il est pas. Non, mais lui, il voit rien, c'est trop galère. Alors, elle fait quoi? Attends, elle. Attends, j'ai jamais joué avec elle. Bon, elle kiffe le surf. On essaie celui-là, tiens. J'ai jamais essayé ce perso. Bah, écoute, start, hein. Comme ça, vous allez voir le. Ça va vous faire rêver. Il j'y joue pas souvent celui-là, mais il est assez rigolo. En gros, tu dois prendre des bateaux. Et ce perso, ouais, non, je le connais pas du tout, ce personnage. Donc, on va voir. Hein? Quoi? Après, il y a des choses qui changent pas. Hein. Voilà, faut. Les mécaniques de base. Bah c'est la même, évidemment. Les. Ouais, par contre, je ne rappelle même plus les trucs. Par exemple, les Seychelles, enfin, les coquillages, je sais même plus comment on les ouvre, pour être honnête. Oh, on va découvrir ça. Voilà, on a de quoi se faire une hache. Hop là. Coupons des arbres. Mais grave. Moi aussi, ça me donne envie de me baigner. C'est une sorte de Sea of Thieves. Mais tout seul. C'est Sea of Solitude. C'est triste. Eh, hey, vas-y, là. Je me suis pris une noix de coco dans la tête. C'est pas cool, hein. Non, ça, j'en fait, tu veux aussi prendre là les moules. Je pense que c'est des sortes de moules. Et les lapins ici, ce sont des crabes. Voilà.
C'est moins mini. Bon, ils sont quand même mignons, les petits crabes, mais bon. Alors, et de mémoire, par contre, pour ouvrir la noix de coco, il me faut absolument une machette. Pareil pour le bambou, je crois qu'il te il faut une machette. Attends, est-ce qu'on peut... Qu'est-ce que je peux faire là avec ça? Non, rien. Il m'en faut une autre. Et donc, t'es sur une île. Et tu peux aller... En fait, t'as pas qu'une île. Tu peux aller d'île en île. En fonction de tes besoins. Et c'est pour le coup, c'est pas trop mal. Et ouais, j'ai pas trop poussé cette partie-là. Alors, on va se faire ça. Comme ça me permet... Hop. De miner tout de suite. Voilà. Ah, il n'y a pas de silex là. Normalement, on peut avoir des... Ah, il y en a plus, il y en a un autre des silex là. Voilà. Ah oui, les crabes, ils font un petit bruit trop mignon. Mais par contre, c'est vrai que celui-là d'univers, il est très détente. Il est... Il a ce côté cool et sympatoche. En plus, il fait rêver un petit peu parce qu'il y a, il y a la mer, les cocotiers et tout. Enfin, il est moins... Putain, vas-y, je vais me prendre des trucs dans la gueule comme ça, là. Il va se calmer, le jeu, hein. Ouais, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, Sea of Solitude. C'est... Voilà. C'est... Ça, bah, la musique a fait complètement pirate. Mais du coup, comme elle a un surf, parce que normalement pour aller d'île en île, il te faut un bateau. Et du coup, elle, je me demande si avec son surf, si c'est pas... Ah voilà, hop là. Attends, on va essayer. Non? Putain, elle est trop stylée là. Hop. On va prendre des algues. Et donc voilà, donc tu voyages comme ça. En mode jambes pipe et jambes de bois. Tout à fait. C'est complètement ça. Donc là, je vous fais rêver. On parcourt les mers. Je me fous pas de votre gueule là ce soir. Hein. Je me suis fait piétiner par un cyclope, mais je vous fais rêver. Je vous fais voyager. Attends, du coup, on va récupérer des trucs ici. Ouais, et puis en plus, hop, effectivement. Non. Je peux la... Faut que je... Voilà. Oh, c'est trop mignon, elle... Ah, elle peut plus le porter. Elle, quand elle parle, ça fait un petit bruit ukulélé. C'est rigolo. Ah oui, d'accord, c'est vraiment une petite île. Toute petite, hein, celle où je suis tombée, là. D'accord, donc bon, bah, dans tous les cas. Le feu. Hop. Voilà. On va faire qu'on va, on va cuire ça, les fruits de mer. Voilà. Ça aussi, on va le cuire. On va cuire des algues. C'est sympa. Un petit coco là. Attends que tu t'endormes, petit coco.
Je vais me construire une machette. Ouais, t'inquiète, j'arrive. Regarde. Tiens, regarde. Hein? C'est pas un personnage anxiogène, ça? Tiens, tiens, le bambou. Attends, elle a pas de quoi se faire un petit sac à dos, là, vite fait. Est-ce qu'elle peut le faire, elle, ou pas? Ah! Donc c'est pas un gros sac à dos. Ah bah il me faut juste... D'accord. On va se faire un sac à dos. C'est important un sac à dos. Ah bah et là je peux ouvrir normalement... Bah non si je peux... Ah! Faut la hacker. Tiens. Mais non t'as pas besoin de fuel sur ton feu là, calme-toi. Mais notre coco! Trop près du feu! Non mais sérieux là! Ça me saoule! Non mais ramasse les haches! Oh là 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 là! Hein. Attends, on va se faire un petit sac à dos en attendant le gros sac à dos. Voilà. Putain! Oh, j'ai pas tant... Mais non, mais franchement, j'ai pas fait exprès. C'est pas vrai. Mais attends, depuis quand une noix de coco, ça prend feu? Genre, mais non, mais c'est vrai. Mais je te jure. Oh. Putain, on me croit pas là. Tristesse, vous ne croyez pas. Il me perturbe cet arbre, cette sorte de hent là. Il n'a pas l'air non plus très très serein. Coin, coucou Avi, coin coin, ça va? Viens me défendre parce que ils sont méchants avec moi. Ils disent que je fais exprès de mettre le feu au truc. Alors que je fais pas exprès. Ah ouais? Est-ce que je peux taper le... Oh. Je vais pas cesser faire. Ça va. Bah, écoute, cool si ça va. Ah non, c'est... Attends, pour faire un sac à dos, c'était quoi? Ah, il me faut une... D'accord. En même temps, je ne pouvais pas. Je ne pouvais faire qu'avec cette petite machine-là. D'accord. On saura. Tiens, du coup, t'as loupé J coin coin. Je me suis fait ravager par le cyclope encore, là. Mais je crois qu'un jour, il faudra que je regarde comment il faut faire pour le... Pour l'oxyre. Hein. Bon, je crois qu'il est temps de partir. Allez, viens. Ah oui, avec ta machette en plus. Elle a conquérante du monde là, avec sa machette, hein, j'ai envie de dire. Hop. Et là, donc l'idée, bah, c'est de les vagues. Alors soit tu... Voilà. En gros, les vagues, faut aller dans le sens des vagues pour t'aider à avancer. Par contre, si tu vas dans le sens contraire des vagues, tu abîmes ta navigation. Enfin, ton bateau. Par contre, je sais pas du tout où je vais. Hein. On navigue, les amis. Je me disais aussi que c'était un nouveau perso. Mais oui. Ah, attends, c'est quoi ça? C'est quoi? Non. C'est quoi ça? Ah. Vas-y, mets ça dans la. Hop. Les coconuts. Oui. Salut. Oui. Alors ça, j'en avais jamais vu ça, des valises comme ça. Paumé au milieu de l'eau. Oh là. Je dois m'avancer très loin là. Je sais pas. Allez, on y va, on va jusqu'au bout, les amis. Non, bon. Ouais, non, bah c'était un moment.
pas très glorieux. Et il m'a roulé dessus le truc. Mais en fait, ouais, je me rends compte, je sais pas pourquoi j'étais persuadée. Enfin, non, je suis sûre, j'ai déjà battu ce truc-là. Mais je me rappelle plus comment, pour être honnête. Hop là. Et là, donc, comme là, les eaux deviennent vertes, c'est-à-dire qu'on s'approche d'un rivage. Voilà. Ouh là, ça sent la patate douce, là. Ouh là là. Allez, sort. Et... Ah, mais tu veux pas le... Tu peux pas le boire? Non? Quoi, elle boit pas de soda? C'est vrai? Tu veux pas manger les fleurs? Voilà. Ça m'y vient de la place. Ouh là là, toutes les... Ouh là, regarde-moi toutes ces patates douces, là. Ça va être bon, ça. Tu parles du gros Yeti Cyclope qui arrive vers la fin de l'hiver. Tout à fait. Et... En fait, je me rappelais pas qu'il attaquait, en fait, ton mental. Je sais pas pourquoi ce père... Enfin... En fait, ce que je comprends pas, c'est que d'habitude, soit il me snob, soit... Enfin, là, je trouve... À chaque fois, je trouve qu'il s'acharne. Je sais pas, c'est bizarre. C'est très étrange. Alors, putain, ça se trouve, je vais me faire mon nid là parce qu'il garde toutes les patates douces là. De quoi qu'il y a ? Comment osez-vous, chat ? De quoi ils ont dit méchanceté, c'est ça ? Je viens justement de regarder quelques vidéos de tuto. Cache un grenou. Et apparemment, ouais, si t'as pas la strat, c'est violent. Bah ouais, mais je. Franchement, je sais pas. Non mais ça me perturbe parce que d'habitude il s'acharne pas comme ça sur ma tronche. Parce que par contre je sais que voilà, je joue pas tout le temps avec ce monstre, mais quand je jouais avec, il me faisait pas trop suer quoi, ça va encore. Parce que j'ai cru me souvenir d'une strat où en gros tu dois bien faire attention à éviter ses coups. Un petit peu bah, tourner autour, l'attaquer finalement par derrière. Mais ouais, non, ça remonte là. Ah oui, c'est une toute petite île. Hein. Mais écoute, moi, c'est une île qui me plaît pas trop mal parce qu'il y a plein de bouffe. En toute simplicité. De manière, on va pas chercher 3000 ans à un camp. Hein. On va le faire là dans le coin. Hein. Puis il y a de la bouffe à profusion. Donc c'est, on va dire, c'est. La base. Donc on va faire ça. C'est juste qu'on va faire bien le camp au milieu parce que quant à la montée des eaux, c'est bien sympa. Oh non, j'ai pas de quoi faire beaucoup. Oh, on a de quoi faire une cheminée. C'est mignon. Hop. Voilà, donc on va cuire le vivant. Alors attends, vas-y, pose-la là. Voilà. Et là, tu peux la hacker, ta coconut. Voilà. Parce que visiblement, ça prend feu pour un rien. Ok. Ah. D'accord. Je sais plus comment on fait pour ouvrir... Attends, du coup, je la fous là. La coconut. C'est quoi, ça ? Oh ! Un t-shirt flo... Bah, mais il me sert à quoi, du coup ? C'est pour passer inaperçu... Bon, c'est pas grave. Le soda, je sais pas quoi il sert. Ça, on va foutre ça là. Alors, est-ce qu'on a de quoi faire une... Ah bah non, il me faut de l'or. Oh là, ça te galère ça par contre, tout ce qui est or. Alors ça, on va le laisser. Et en même temps, enfin je me suis posé là, mais c'était genre méga loin. Après, ça se trouve, il y a peut-être d'autres trucs autour. Hein. Bon, allez, ça va aller. De toute manière, c'est pas grave. Je vais mourir dans 30 jours, de toute manière. allez, bichette, on va à l'aventure. On va aller par là. Oh. Mais
Allez. Mais. Calme-toi. Mais. T'allais. Ah. Voilà. Une bonne méthode semble être deux sets d'armure et tu bourrines. Car le kitting est trop dur avec la perte de santé mentale. Ouais, c'est ça en fait le problème. C'est un peu une strat de c'est qui a la plus grosse, mais ça, si ça marche. Ah bah ça devait être ça, je devais être en mode... j'avais une... parce que là, sur moi, j'avais qu'une armure en... Comment ça s'appelle en paille, quoi, finalement. Donc c'est de la merde, littéralement. Et ouais, de mémoire, quand je l'affrontais, je devais être un peu plus... habillé, on va dire, chaudement, si on peut dire ça comme ça. Parce que là... Et c'est aussi pour ça hein, que c'est cool de... rejouer à ce... jeu. C'est parce qu'au final, il y a plein de choses... Je m'en vais pas. Bon, attends. Parce que là, il y a mon vibreur de téléphone qui me saoule. Hop, je vais juste le mettre en silencieux. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle... Non, c'est bon. Donc là, par exemple, on est sur un... une terre où bah là c'est l'inondation, mais normalement on peut, enfin à un moment donné on sera plus dans l'eau quoi, c'est un peu comme la mousson. C'est dans un DLC la navigation en bateau, c'est oui c'est le c'est Shipwrecked. En gros, tu as bah, le Don't Starve classique, tu as Don't Starve Reign of Giants, et tu as Shipwrecked qui te permet justement de naviguer par les. Voilà, donc de naviguer un peu. Oh bah bonjour vous! Ah! Oh! Oh, ils sont trop mignons! Mais je peux descendre là, non? Non? D'accord. Tu as faim. Oh, ça y est, ça râle. Ils sont trop mignons! Ils ont l'air encore plus blasés que les autres. Et franchement, c'était pas gagné. Hein. Et j'avoue, le ouais, ce. C'est pas celui auquel je joue le plus, ce DLC. Mais il est rafraîchissant. Si on peut dire ça comme ça. Tiens, est-ce que là. Hop. Hop, allez, sort. Voilà, on va récupérer un peu tout là. Parce que sur ma petite île, celle où j'ai mis un camp, bah il n'y a pas grand chose. Il faut aussi, surtout que je chope, c'est de l'or. Pour faire une science machine. Alors, en général, je me pose pas dans les endroits où il y a ce genre de grand arbre parce que... il y a souvent dedans des singes qui sont sincèrement casse-pieds. En mode Jumanji, tu vois. Oh, bah il y a... Ah, bah il y a un petit camp, là. Bon, bah en fait, on va peut-être se poser là. bah quand ils pensent... on se pose la question, quand même. Après, j'ai pas l'impression qu'il y ait des... Hello, Mash. Parce que là, j'avoue, c'est déjà prêt, quoi. Ah, franchement, je suis bien tentée par rester là, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Puis du coup, j'ai... Si, gars, il y a les singes, là. Purée! Allez, on peut dire qu'à la rigueur, c'est un spot de secours. Cassez-vous, là. Non, ils sont... T'as une balance de la bouse. Ah. Au secours, en même temps. Bon, d'accord. Je les ai un peu agressés avec une hache. Bon.
Oh putain, ils sont rancuniers, hein. Ils me balancent de la pousse. Elle pose la tente, mais grave. C'est... mais... il me faut juste de l'or, les singes. Et après, je m'en vais. Hop. Attends, parce qu'elle a très faim. Il te fait une... mais vous inquiétez pas, ça va le faire. Non, c'est le perroquet qui parle. Alors, où est-ce qu'on a encore des petites... Oh là, il y a les serpents. Je prends juste l'or et je me casse, promis. Ah, par contre, ça va être chaud de... bah, je vais devoir rester là pour la nuit. Calmez-vous là. Ah, ça se trouve, je peux faire. Je crois que je peux faire de la. La planche. Avec une torche. Oh, de l'or dissous. Putain, je les avais pas vus. Ah, attends, par contre, comment ça va se passer? Oh putain, on va laisser ça là, on s'en fout à la rigueur. Hop. Je crois que attends. Hop. Voilà, équipe-toi comme ça. Eh, eh, t'as vu là? En mode plaisir nocturne. Alors. C'est beau, hein? Regarde là. T'es enchantée là, je suis sûre. Tu sais, c'est comme les... comment ça s'appelle? Les descentes de ski en pleine nuit. Ça, j'avoue, ça doit être cool à faire, ça. Oula, oh, ça a l'air d'être un gros spot ici, là, quand même. Oula là. Ah! Pratique. Bonjour. Voilà. Tu vois, comme ça, si je meurs. On va... attends, parce qu'elle a vachement faim. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Remarque, il fait bien toujours. Arrête, non, je vais pas mettre le feu au bateau. Oh, t'imagines, ce serait bol, mais grave. Allez, le jour vient, je regarde ce qu'il y a autour là. D'accord. Putain, je connaissais pas ça, ce... magma pile. Attends, je sais pas ce qu'il y a. On peut pas... ah, c'est trop chaud. Ah, c'est rigolo. Ok, donc attends, non, on va retourner... ah, j'ai... eh non, j'ai pas de quoi me faire une pelle. Ah, par contre, je... avec le marteau, je vais défoncer là les... ça, là. Attends, non, non, je vais pouvoir prendre ça. De quoi on va se débarrasser. Mais non, mais ça, je voulais garder pour... bah, attends, la torche, on s'en fout. Mais... oh, casse-toi. Alors, du coup, j'ai l'impression que les singes, c'est un petit peu le... ça remplace les araignées. Je crois. Touk, touk, touk. Et voilà, il pique des trucs, les petits sagouins. Petit singe. Putain, j'ai failli donner un coup de marteau dans mon truc là. Ça va pas, hein. On va pouvoir retourner au camp là parce que. Elle va mûrir de faim, sinon, la pauvre. Et on veut pas qu'elle meure de faim. Ce serait con de perdre une vie comme ça.
Alors là où il y a aussi quelque chose. Non, ça me rassure, il y a comme quelques îles en coin parce que j'avais peur qu'il y ait genre aucune île. C'est quoi ça sur un musquet là? Allez! Non, par contre, je pense s'il y a des bah, les chiens loups de l'enfer là. Putain, elle va bientôt crever de faim. Allez, on arrive. T'inquiète, Georgette. Attends, on va commencer par des fleurs, c'est simple. Ah non, ça nourrit pas. Mais arrête! Je te demande pas... Et là, tu vois, j'ai pas trouvé de patates. Allez. Oh là là. Voilà. Ah. J'ai sauvé vos oreilles, je crois. Donc là, il va falloir aussi rapidement c'est faire des champs là. Et encore, je ne pense pas que ce soit le meilleur endroit. Non, ça, c'est pas le meilleur endroit non plus pour s'installer. Parce que fondamentalement, à part des patates douces... Putain, mais... Après, c'est moi qui ne les cuisine pas. Il faudrait que j'y cuisine, ça ira mieux. Parce que ça nourrit mieux en général. Ouais, joker. Donc ouais, je suis pas sûre finalement que ce soit le... Bon, en même temps, j'ai ça, mais... En même temps, c'est le principe des îles. Mais ce qui m'intéresse... J'ai l'impression qu'à côté, il y avait une île... avec des crabes et tout. Genre là, je pense que c'est pas un truc là. Une île là au milieu, là. Putain, il y a en même temps, là, ce serait tellement... Bah non, ce serait logique d'être à côté de la pierre de Rez. Ok, il y a les macaques, mais... je vais aller voir, là, comment ça se passe au niveau de la... J'ai posé la dernière fois mon truc, tout mon matos. Ouais. Après, voilà, le but aussi, c'est aussi pour ça que notamment j'ai ramené des pommes de pin, là. Là, c'est de faire un petit... hop, genre voilà. Comme ça, j'ai des arbres aussi. Mais faut aussi que je fasse une... je pense une ruche. Voilà, donc j'en fous mon bazar ici. Ouais, si on va rester là, écoute, de toute manière. Alors. Voilà, on va faire plus de trucs, hein. Ce sera mieux. Je serais pour me faire un super sac à dos par exemple. Voilà. Alors du coup, ça mets-le là vite fait. Voilà. Ok, ça tu récupères. Qu'est-ce que...
Est-ce qu'elle croit tout de suite faire des chants? Bah, c'est parfait. Voilà. Est-ce qu'on a des petites graines quelque part, là, les piopios? Piopio! Bon. Ah, mais attends, il est où mon feu? Mon feu! Merde, j'ai dans la nuit noire! Ça va être tout noir! Merde, merde! Mais où mon feu? Oh putain! Construit! Équipe! Putain, mais elle est un peu bébête, hein! Attends, mais normalement, le feu était censé durer plus longtemps que ça, c'est quoi ce délire? J'espère juste qu'il n'y a pas. Que c'est pas déjà sous l'eau. Ok, bah je suis persuadée d'avoir. Mais laisse ça. On m'a idiote bête. D'accord, bon. Il s'est déjà éteint. Ah là là là. Bah du coup, attends, on peut reprendre. On peut commencer à reprendre la petite barque là. Et zo. Allez, allez. Attends. Voilà. Range ta torche dans la... Voilà, c'est ça que je voulais voir ici, là. Voilà. Parce que genre ici, s'il y a une petite plage où je peux faire des pièges à petits crabes, ça peut être pas mal. Ah, ma planche est déjà cassée. D'accord, c'est en gros... Alors, c'est plus par là, j'ai cru, j'étais persuadée d'avoir... Ah! Qu'est-ce qu'il a acheté, là? C'est quoi, c'est des baies? Ça se casse vite, bah oui. Et je pensais que je pensais naïvement que comme c'était ma planche, bah, qu'elle était incassable. Mais je crois que c'était de la naïveté de ma part. Bah, attends là. Ouais, faut que je fasse gaffe. Donc non, il n'y a pas de... Putain, j'étais persuadée ici qu'il y avait un petit morceau de sable, là. Si, voilà, je suis pas folle. C'est pas mal, ici, aussi. Et comme ça, il faut faire des pièges. Il y a des coconuts. Non, c'est pour ça qu'on est bien, là-bas, on est bien. Remarque, je me demande, ce serait pas plutôt ici qu'il faudrait être. Parce que ici, c'est au centre. Parce que là, ouais. Non, si, ouais. Ah, j'hésite. Pff, après, tu me diras. Enfin, dans tous les cas, faut avoir absolument de... un moyen de transport. Comme la friteuse dans Aladdin. Ah oui, incassable. Cassé. Oh, putain. C'est vieux là. C'est quoi Aladdin? C'est 91? Ah, il faudra que je fasse une pelle aussi. Balfin Palace. 95? Ah, j'aurais dit... Allez, j'ai de chance, je vais dire 94. Alors, il faut que j'arrête de prendre ça me sert à rien. Il y en a plein de... Alors,
On va plutôt taper là la noix de coco parce que... 92, mais oui! J'ai dit 91, 92. Non, non, mais laisse-le là. Prends la coco. Alors, du coup, on peut-être... pour faire un bateau, qu'est-ce qu'il nous faut? Ah, c'est à ça qu'elles servent les... comment ça s'appelle? Enfin, ça sert pas qu'à ça, je pense, mais... ça sert en partie à ça. Non, je me demande si 95 c'est pas le roi lion. En fait. Parce qu'en 92, c'est la petite sirène. Attends, t'as pas aussi la petite sirène en 92? Alors, j'aimerais bien essayer de choper de quoi faire des. Putain, mais elle a. Son appétit est. Putain, elle est aussi vorace que. Que la viking, hein. Il est où mon... Hop. Parce que je me rappelle que Aladdin et le Roi Lion, c'est sorti très proche au cinéma. Enfin, c'est des films, limite, qu'on a vu dans la foulée. Enfin, dans la foulée. C'est genre deux chefs-d'œuvre qu'on s'est pris dans la tronche en... rapidement, je trouve. Voilà. Ah, ça c'est le nid des... Le nid des petits... Parce que j'en rappelle, j'ai vu les deux au cinéma. Oh, un œuf. Laisse-moi tranquille. Vas-y, t'es chiant. On pique un truc. Tiens, prends du caca. Tiens. Puis il le prend, lui. Il est bête. Oh, tiens. Hop. Les bons souvenirs d'enfance, hein, c'est vrai que c'était magique. Bah, carrément. Carrément, carrément, c'était incroyable. C'était incroyable comme... Alors, on va rester là pour la nuit. Mais je suis con. Attends. Non, non. Il y a ici de quoi faire un... Voilà. On a de quoi allumer un feu. Ah bah oui, il m'a piqué mon caca. Enfin non, je lui ai donné mon caca. C'est très bizarre de dire ça. Hop. Voilà. Vas-y, fais-toi manger.